Je le suis. Maintenant, c'est à Thaïssa de décider si elle veut nous accompagner. Tout mon être veut traverser cette tempête et faire couler le sang d'Elias. Mais... peut-être qu'il compte sur ma vengeance pour me ramener à lui. Pour qu'il puisse finir ce qu'il a commencé. Il vaut mieux pour tout le monde que je reste ici. Il n'y a pas de honte à ça. C'est une sage décision. Nous vous apporterons sa tête. Non. Je vous ai déjà suffisamment ralenti. Un jour, je trouverai le moyen de vous aider. Des choses terribles. Des choses insensées. Elle sait que l'élite est de retour et ce qu'Elias prépare. Mais Andariel se moque de savoir qui gagne. Elle veut seulement que quelqu'un perde et que ses souffrances soient atroces. Et vous, vous l'êtes ? J'espère que vous avez les poches pleines de fioles de soins. Sinon, servez-vous dans celle que je garde sur ma bonne vieille Isabella. La tempête va empirer, je le sens. Quand elle commencera à faire rage, il faudra absolument trouver un abri, où il ne restera de nous qu'une pile d'eau blanchie par le soleil. Juste l'instant présent. Ça va être un sacré périple, hein, Descartes ? J'ai hâte d'y être. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Les vents gagnent en force ! Suivez-moi ! Serait-ce possible? Mais oui, ça l'est! Les dieux nous sourient, mes amis. Buvons un verre ensemble, Descartes! Trinquons à cette nouvelle aventure, entre la vie et la mort! Non, merci. J'ai assez bu. Allez-y. Ah, mais je suis pas du genre à refuser une offre pareille! Dirais que ça se calme, hein ? En avant !
besoin de temps pour préparer cela. Je ne suis pas encore prêt. La tempête se lève à nouveau! Vite, par ici! J'ai besoin de temps pour préparer cela. Non, il faut faire demi-tour. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma pipe! J'ai laissé ma pipe dans la chapelle! Il faut y retourner et la récupérer! L'ancien, essayez de tourner seulement les talons. Et je vous plante un couteau dans le dos. Bon, d'accord. Mais je n'oublierai pas cette trahison, Descartes. Mais tu le sais. Allez, on y va! J'ai besoin de temps pour préparer cela. J'ai besoin de temps pour préparer ce coup. J'ai besoin de temps pour préparer ce coup. Je rappelle plus le goût de l'air salé sur l'océan. Aucun démon, aucune créature ne pouvait s'opposer à nous. J'ai parcouru le monde entier depuis. J'ai vu des choses que je n'imaginerais pas. Et c'était pas pareil. J'errais sans but. Je ne faisais qu'attendre. Oui, c'est important d'avoir une direction à suivre. Un pied devant l'autre, pas vrai, mon vieil ami? Si on s'arrête de marcher, on meurt. On dirait que les vents se calment. Ne vous éloignez pas. Regarde.
Regardez-moi ça. Oh, dire qu'un endroit aussi incroyable... C'est eux qu'Elias a choisi pour rejoindre son cercle d'élus. Celui en haillon ne survivra jamais à ce qu'il attend. J'ai entendu dire que ce noble de Caldeum a été arrêté pour avoir douté de la mer. Il a dû affronter les loups. Cet idiot a eu ce qu'il méritait. Elias a œuvré au retour de Lilith à Sanctuaire. Et c'est grâce à lui qu'un démon inférieur sera bientôt soumis à notre volonté. Imaginez donc la puissance qui sera nôtre. Je suis impressionné. Vous là-bas, attendez. Je ne me souviens pas de vous. Nous avons échappé à cette tempête. Loué soit la mer. Ah, de nouveaux disciples. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Lilith nous a récemment honorés de sa présence. Elle était ici? Oh, c'était de toute beauté. Qui sait? Peut-être que Maître Elias consentira à vous la montrer à travers l'œil aveugle. S'il vous en juge digne, évidemment. Entrez et présentez-vous à lui. C'est pire que je ne le croyais. Elias a l'œil aveugle, une ancienne relique magique. Il lui permet de voir partout, même à travers le temps. Notre troupe... Gardez la tête haute, héros de Lilith! Plus jamais nous ne craindrons les démons. Ils seront à notre service dans la guerre à venir. Bénissez-moi de votre puissance, et j'accomplirai tous vos désirs. Avancez et venez affronter le jugement de Maître Elias. Mais ne montrez aucune peur, aucune hésitation. Oh, nous ne montrerons rien de tout ça. Ah.
savais que tu viendrais, Lorat. Tu nous espionnes avec l'œil aveugle, je me trompe. Tu crois vraiment que je gaspillerais une telle magie? Ton esprit est toujours aussi étriqué qu'à l'époque. Laisse-moi abréger tes souffrances, vieil homme. Tu restais dans ta calotte, à ressasser. Cherche de l'œil aveugle tant qu'il est encore temps. Nous ne pouvons pas l'abandonner à ces fanatiques. Attendez. Je vois quelque chose. Des pétales de sang. Mephisto, diable, la chute de Sanctuaire est imminente. Et pourtant, tu doutes de moi. Il n'y a que les zélotes et les imbéciles qui ne doutent jamais, mais personne ne peut nous sauver. Personne excepté vous. Je ne suis pas venu pour sauver, mais pour émanciper. Dans mon ombre, l'élite s'opposera à la souveraineté des enfers. Au fait, ils se débrouilleront. Andariel vit, Léoradrim meurt. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. J'ai eu une autre vision. Lilith pense que les démons primordiaux vont détruire Sanctuaire, et elle renforce l'humanité pour leur faire face. Voilà pourquoi Elias et elle rassemblent des adeptes. Ils créent une armée. Oui, Lorat. Les seigneurs des enfers menacent notre existence, et nous tâchons d'y remédier. Elias ? Comment est-ce possible ? Tu ne comprendras jamais ce que j'ai accompli pour ce monde. Thank you.
d'entraînement. Et voilà tout ce que j'ai fait. J'ai besoin de temps pour préparer ça. Se heurter à lui comme ça. Il va nous épuiser. Il faut partir d'ici. Mais pas sans l'œil aveugle. Si nous nous en emparons, cela le privera d'une partie de sa puissance. Par t'arrêter, par avance.
J'ai besoin de temps pour préparer ça. De la nécromancie. Où a-t-il trouvé cette puissance ? J'ai besoin de temps pour préparer cela. Elle m'a emmené sur un ancien champ de bataille où des milliers d'humains avaient péri sous les coups des anges et des démons. Plus jamais nous ne souffrirons ainsi, a-t-elle déclaré. Et dans ses yeux, j'ai vu un nouveau monde. Un paradis où nous pourrions vivre libres de la tyrannie des cieux et des enfers. Notre paradis. Si nous avons la force de le réaliser.